les oreilles. Un matin, il n'y a pas si longtemps, Lucas préparait ses affaires pour aller à l'école, comme d'habitude. Il adorait ça et il y allait tout content, impatient que la journée commence. Il dit au revoir à son papa et sa maman et partit tout joyeux sur la route qui menait à l'école du village. Il faisait très beau, c'était le début de l'été. Il avait mis sa casquette pour ne pas avoir trop chaud et dans son cartable, il y avait ses affaires d'école, bien sûr, mais aussi son goûter. Des gâteaux fourrés de confiture à la groseille et une petite bouteille de jus de pomme. À la sortie du village, il vit devant lui quelque chose d'étrange. Juste après le virage de la boulangerie, de drôles de formes marchaient sur la route. Des grosses, des petites. On aurait dit que certaines avaient les cheveux longs et d'autres des tresses. En se rapprochant, Lucas vit quelque chose d'encore plus étonnant. On aurait dit que ces formes avaient un cartable sur le dos. Mais on dirait des légumes. Il se frotta les yeux. Mais oui, c'était bien ça. C'est pas possible, se dit quand même Lucas. Les légumes ne marchent pas et ils ne vont pas à l'école. Il faut que j'en sois sûr. Et il se mit à courir pour les rejoindre. Il était tout curieux de rencontrer ses nouveaux camarades et voulait les observer de plus près. Arrivé à côté d'eux, c'était bien vrai. Des légumes marchaient sur la route. Ils marchaient en direction de l'école comme des petits soldats, les uns derrière les autres. Une grosse pomme de terre était devant tout le monde, suivie par un radis, deux carottes, un navet et une grosse betterave. Ils avaient tous leur cartable sur le dos. Bonjour Lucas, dit la pomme de terre. Comment vas-tu ce matin? Tu viens avec nous à l'école? Dans quelle classe es-tu? Je suis en CP, répondit Lucas. Et vous? Nous sommes dans une classe spéciale pour les légumes. La légume préparatoire. Et vous avez des devoirs à faire? Oh oui, beaucoup, tu verras. Lucas ne sut pas quoi répondre. Il continua son chemin vers l'école sans rien dire. Les légumes le suivaient tranquillement. Un peu plus tard, Lucas se retourna pour s'assurer que les légumes le suivaient toujours. Ce fut à ce moment-là qu'il eut droit à une seconde surprise. Des fruits avaient rejoint les légumes. Une orange, une pomme, une poire, un ananas tout ébouriffé et une belle banane bien mûre. Ils allaient aussi en direction de l'école, un cartable sur le dos. Bonjour Lucas, dit la banane. Comment vas-tu ce matin? Tu viens avec nous à l'école? Dans quelle classe es-tu? Je suis en CP, répondit Lucas. Et vous? Nous, on est en fruits élémentaires, la classe spéciale pour les fruits. Lucas ne se souvenait pas qu'il y avait des classes spéciales, mais comme ça ne faisait pas longtemps qu'il allait à l'école, il se dit que pourquoi pas, après tout, si les légumes et les fruits disent qu'il y a des classes spéciales, alors il doit y en avoir. En tout cas, il était tout content d'être accompagné par cette joyeuse bande. Personne n'était venu auparavant à l'école entouré d'une horde de fruits et de légumes. Le cortège arriva devant la porte de l'école et tous les enfants étaient là, applaudissant le défilé. Ils étaient émerveillés, les yeux ronds d'étonnement. Et la maîtresse de Lucas vint les accueillir. « Quel gentil garçon !» dit-elle, le félicitant d'une petite tape dans le dos. Et Lucas était très heureux. « Merci, maîtresse !» répondit-il tout content. Et les autres enfants l'applaudirent et l'acclamèrent. La maîtresse s'en alla dans la classe, mais quelqu'un continuait de lui donner des petites tapes, plutôt fortes cette fois.
Lucas ouvrit les yeux. C'était sa maman qui le secouait. « Réveille-toi, Lucas, réveille-toi, tu vas être en retard à l'école. » Lucas était bien réveillé à présent. « Oh, j'ai fait un rêve, maman, un drôle de rêve. J'ai rêvé que plein de légumes m'accompagnaient à l'école. » Lucas se leva en riant et sa maman éclata de rire. Il fallait qu'il se dépêche s'il voulait arriver à l'heure à l'école. Il partit en courant et raconta son rêve à tous ses copains. À la cantine, au repas de midi, il y avait des légumes et une bonne salade de fruits. Dans l'assiette de Lucas, il y avait des morceaux de pommes, de poires et d'ananas. Et tout d'un coup, Lucas a eu l'impression que la banane lui faisait un clin d'œil. Mais ça n'était qu'une impression.